Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé un très bon week-end. Le marché est plutôt calme ce matin sur l'échange. On a toujours un dollar qui respire, qui corrige très légèrement, mais qui ne connaît pas les mêmes fluctuations que le marché des actions. Les devises à risque n'ont pas profité du rebond sur les marchés des indices boursiers. Là, les opérateurs continuent à privilégier la sécurité. Malgré tout, on a quand même une petite respiration sur le dollar, mais on va le voir, ça ne casse en rien la tendance baissière, haussière, pardon, du billet vert qui maintenant dure depuis plusieurs semaines. Cet après-midi, on aura les commandes de biens durables. Donc attendu à 0%. C'est surtout mercredi qu'on aura une journée sans doute un petit peu volatile puisque nous attendons l'intervention, les discours de Jérôme Powell, de Christine Lagarde et du président de la Bank of England, de la Banque d'Angleterre. Et puis aussi, on a cette semaine des taux d'inflation qui sont attendus à la fois en Europe et aux États-Unis. Donc, des chiffres qui seront bien sûr très suivis. On voit les graphiques dans un instant. Avant ça, l'avertissement sur les risques. Voilà, le dollar, donc vous voyez, comme je vous le disais, il respire, il corrige un petit peu. Alors certes, ça fait plusieurs séances maintenant, mais malgré tout, il n'a absolument pas cassé de support majeur. Il est plutôt dans une phase de stabilisation que de correction. Donc la tendance de long terme reste toujours à la hausse. Elle sera relancée par un chandelier qui sera plus vert, positif. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc on est toujours dans cette phase de stabilisation. Si par contre on venait à casser par exemple le creux, le dernier point bas des 15 derniers jours, on aurait, alors ça se situe sur 103,20, on aurait sans doute une correction un peu plus prononcée, mais tant qu'on est au-dessus de ce niveau, on ne peut pas dire que le dollar véritablement corrige. Ce qui nous donne sur l'euro-dollar tout de suite ici un euro qui monte quand même un petit peu avec l'appétit pour le risque, comme je le disais, qui est revenu sur les marchés actions, mais on reste sous cette oblique baissière. Vous savez que je suis toujours short. On a même une droite de polarité ici sur 1,0628. Donc tant qu'on reste sous cette zone, ça correspond aussi au passage de cette oblique baissière. Donc tant qu'on est sous cette oblique, pas grand-chose à dire, si ce n'est qu'on a une respiration de l'euro-dollar, mais la tendance reste à la baisse et donc on surveillera toute bougie rouge pour la relance et un nouveau, alors, la relance baissière et un nouveau test des 1,0340. Si par contre on clôturait au-dessus de cette oblique baissière, sans doute que ça serait la première indication que le trend est en train de fléchir à minima, voire de se retourner, mais on n'en est pas encore là. On garde notre stop loss pour ceux qui ont suivi le plan de trading que j'avais indiqué, notre stop loss au-dessus de l'oblique baissière. Sur le câble, même chose, alors c'est peut-être encore plus flagrant puisque lui, il a certes eu deux séances de hausse, mais depuis, on est à l'horizontale complet, donc on attendra de voir si on assiste à une reprise de la baisse avec un long chandelier rouge ou un chandelier conséquent, en tout cas baissier. Sur le dollar australien, même chose, alors le dollar australien qui est lui aussi à l'horizontale, il est un peu dans la même configuration que le câble. Alors lui, c'est une devise qui est sensible au risque, mais aussi sensible aux matières premières. Et comme les matières premières corrigent, ben, il n'arrive pas à profiter de cet appétit pour le risque qui est revenu sur les marchés actions vendredi. Ça ne veut pas dire que ça va durer, hein. Et pour l'instant, sur les marchés actions, d'ailleurs, on n'a cassé aucune résistance majeure. Donc, c'est un aparté. Donc, on va aller voir le kiwi, puisqu'on est aussi short kiwi, pas de problème. On reste toujours short sur le kiwi, avec un stop donc, qui est inchangé. On le verra dans le tableau tout à l'heure.
Le, alors, paire de devises majeures aussi avant d'attaquer les paires en yens, le dollar yen, même chose. Vous voyez cette petite stabilisation. On n'a même pas cassé la moyenne mobile à 13 périodes. C'est vous dire si cette correction est extrêmement, pour l'instant, timide. Et même, on a apparemment des velléités de reprise haussière qui commencent à apparaître avec la bougie verte de vendredi et une qui pourrait aujourd'hui qui pourrait se transformer en chandelier haussier, ce qui pourrait nous donner un nouveau plat trading, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Cette bougie, ce corps n'est pas assez conséquent pour signaler le retour des acheteurs. Donc, et puis les États-Unis vont arriver cet après-midi, donc il va y avoir encore de la transformation sur cette bougie. Les paires en, alors, par contre, en yens, on a l'euro-yen qui lui remonte, vous voyez. Donc, je vous ai dit que j'étais sorti la semaine dernière parce que ici, on avait une étoile du soir qui est quasiment parfaite. Et bien, vous voyez que cette étoile du soir, pour l'instant, elle n'est pas suivie puisqu'on a un nouveau support ici qui correspond au plus bas, donc sur 141,40 qui soutient les cours. Et je vous disais que cette étoile du soir, elle devrait confirmer si les cours passaient sous la dernière, le plus bas de la configuration. Ce n'est absolument pas le cas puisque c'était 141,40 et on a pile poil rebondi dessus vendredi et on continue aujourd'hui à rebondir. Donc entre 141,40 et le sommet de cette étoile, on reste neutre, mais on remarque quand même les velléités de reprise haussière de l'euro-yen qui pourrait revenir tester cette résistance. On verra cette fois-ci si les vendeurs sont toujours présents sur ce niveau. Le sterling-yen, il ne se passe pas grand-chose. C'est vraiment l'euro-yen qui monte. Le sterling-yen, vous voyez, pour l'instant, calme plat. L'AUD-yen, même chose, calme plat. Donc rien à faire là-dessus. Et on va aller voir les paires en Suisse, puisqu'il nous restait un plan de trading sur l'euro suisse. Et ce plan de trading, je vous avais dit que je visais la parité 1. Et ben, on a fait 1,0050. Et on a un magnifique doji sur ce niveau, ou à proximité de ce niveau. Ce qui me fait commencer à réfléchir un petit peu parce qu'apparemment sur cette zone il y a des acheteurs. On verra là le chandelier ce soir, mais s'il était plus conséquent, plus haussier que ça, je pense que je sortirais de ce plan de trading sur l'euro suisse. Sur le dollar suisse, à surveiller cette semaine parce que le dollar suisse vendredi, il est venu tester pile poil le retracement Fibonacci de 61,8% de la hausse ici de avril à mai. Et alors, selon la théorie, tant qu'on est au-dessus des 61,8, la tendance reste haussière. Simplement, donc, pour l'instant, on ne peut que être neutre tant qu'on reste au-dessus entre ces deux ratios, entre 38,2 et 61,8. Simplement, on a quand même une formation en double sommet qui est en train de se former. Et si on d'aventure on cassait en clôture les 61,8, ce double sommet serait déclenché. Je vous rappelle que une figure n'est déclenchée que lorsque elle est validée, c'est-à-dire que lorsqu'on casse le plus bas ici, le creux de ce double sommet. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, même si on l'a fait marginalement en séance, mais il y avait le retracement 61,8 qui est aussi un support. Donc tant qu'on reste au-dessus, ce double sommet qui a l'air très propre n'existe pas. Et donc, on peut juste le remarquer et attendre d'avoir le signal baissier. Mais pour l'instant, ce double sommet n'existe pas. Donc c'est à surveiller cette semaine. Voilà ce que je pouvais. Alors non, on va aller voir les. Pardon, on va aller voir les. On va revenir, on va aller voir le tableau. Hop, le tableau, le tableau. Donc toujours short Rodol en résumé avec le stop loss au-dessus de l'oblique baissière. Toujours short Kiwi avec un stop sur 0,6445 et short Euro Suisse avec 1,0220 comme stop loss,
Et donc, à surveiller éventuellement ce soir. Pour l'instant, on reste comme ça, mais demain, peut-être qu'on sortira de cette position. Voilà, donc, début de semaine assez calme. C'est un petit peu normal. Il y a des chiffres qui arrivent, un chiffre cet après-midi. Et puis, on verra aussi si sur les marchés actions, la hausse se poursuit ou pas, et ce qui pourrait peut-être faire bouger les choses. Et encore une fois, il y a quand même les taux d'inflation dans la semaine et mercredi, les trois présidents des principales banques centrales qui vont parler. Donc ça risque d'être un petit peu plus sport dans les heures à venir. Je vous souhaite un très bel après-midi, de très bons trades. N'oubliez pas vos stop loss. À demain. Ciao, ciao. Merci.